Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est... C'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Une barricade. C'est quoi ? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Un collier ? C'est un chapelet. Ça sert à quoi ? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça ? On le fera ensemble. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. T'as vu ? Il y a une fenêtre cassée et une échelle. C'est peut-être une sortie. Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein ? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Des enfants ? Qu'est-ce que vous faites là ? Mon père ! On a besoin d'aide ! Partez ! C'est dangereux ! Vous n'avez rien à faire là ! Attendez ! S'il vous plaît, c'est important ! On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius ? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands ? Je ne pense pas, non. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Des fleurs, elles sont belles.
C'est des œillets. J'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Mon père ? Encore vous ! Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune ! Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais... Mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée. D'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. C'est ça leur fléau. Des rats.
Le père a parlé d'une issue, par la crypte. Amicia, les trois statues! La crypte des trois saints, c'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Passe devant. D'accord. On va passer en même temps. Je passe devant. Utiliser sur les rats? Non, ça sent la bière. Il devait embrasser. Ça va me simplifier la vie.
cadre. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Allez, viens! En bas! Les trois saints! D'accord. Soyons prudents. Si on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah, ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, et il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Faut que je me dépêche. Non, j'ai trouvé une échelle. Il y a des rats en bas. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Calme-toi, Lucie. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré.
brindilles brûlent trop vite. Je ne pourrai pas les repousser assez longtemps. Hugo, je dois le faire descendre. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Je connais ce dessin. Un tabard de croisée. Ici, là. Oui. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Thank you.
Je vais t'aider. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors? Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs, ça brûle la gorge. Là-bas, de la lumière. On y est, Yvan. Oh.